Merde, Bracken, Zeré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Merde. Tu vois ce qui se passe, repense-moi de Rice. Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zeré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris? J'espère que vous allez voir assez clair, on va allumer la petite clochette. Raïd, je sais que j'ai été dur avec toi. Après ce qui s'est passé avec Raïd, maintenant je t'ai enterré, tu comprends. Inutile de t'excuser, Bracken. Je te ramène Zeré sain et sauf, promis. Fais attention, hein. Et je suis désolé pour Raïd, je sais que vous étiez proche. Moi aussi, j'adorais cette andouille. Ils sont de toi de trouver un remède. Bracken, la garnison est fermée. Tout est condamné. Je vais avoir du mal à entrer. Trouve une autre issue, c'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Eh ben, il suffit de pas surprendre. Ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'y vais. Reste vigilant, surtout. Bonne chance.
Les hommes de Rice ont enlevé Zéré, pillé son camion et emporté tout son équipement. S'il avait des notes de recherche, j'imagine qu'elles ont également disparu. L'infiltration chez Rice risque d'être... forte en émotion. Ici Crane, j'aurais besoin de l'assistance du GRE, maintenant! Pas de bol, agent Crane. Vous êtes au ministère de la Défense. Hein? Il se passe quoi? Où est le GRE? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenu zone cible code 1. Ah, attendez un peu là, vous pouvez pas raser cette zone? Il y a des centaines d'innocents ici, peut-être même des milliers. Aucune importance, c'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin, il est près du but, j'ai vu ses notes. Si vous rasez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin. Vous avez 48 heures. C'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant.
Où es-tu, mon ami ? Tu viens de faire une grosse erreur. Ken, j'ai pas vu Zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Il y a un sous-sol. C'est peut-être là qu'il est.
être meilleur que moi, mais ça j'aime pas. Qui c'est? Qui va là? Du calme, c'est moi. Oh, Crane. Ouf. J'ai un truc important à te dire. Je vais mourir. Mais mes notes ne doivent pas disparaître avec moi. Vous n'allez pas mourir, Doc. Mais chut, il faut qu'on file. Et s'il vous plaît, parlez moins fort. Ok. Juste une chose. Il faut que le docteur Camden récupère mes notes. C'est pour ça que j'ai donné les paquets à Jade. Je sais que c'était toi qui devais les livrer. Mais je l'avais sous la main, alors... Doc ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah oui. Tiens, tiens. Notre cher docteur, notre bon docteur décide enfin de parler. Retrouve le scorpion, à tout prix. Avec plaisir. Et ces deux-là, on en fait quoi ? Vous la trouverez jamais. Jamais. Et je dirai rien. Rien, jamais. Pour l'instant, je veux juste vous empêcher de vous enfuir tous les deux. Espèce de sadique, un homme de son âge. Soignez le docteur d'urgence et jetez Crane dans l'arène. Salaud. J'ai trouvé Zéré. Je voulais le ramener à la tour, mais Rice et ses hommes nous ont tendu une embuscade. Je ne sais pas comment tout ça va se finir. Mal. C'est un véritable serpent qui s'infiltre, Crane, dans la cité des menteurs, le roi des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes ? Réponds, enfoiré ! Vas-y, perds ton sang-froid. Mets-toi en colère, je t'en prie. Si je... Pas mal. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entendu. Thank you.
Exploits, dommage. Tu ne seras plus là, ça y est. Tu prends ton destin en main, c'est ça? C'est un peu tard, malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Come on.
Allez voir comment c'est.